ñoko wara mëna liggéey parce que kenn du joggé ci all bi di ñëw di liggéey ci Sénégal ndax ku nekk am nga lolo doy ci fi nga dëkk donc je crois que aussi il faut que li ñu wax rek nos privés aussi l'état pense les soutenir véritablement et puis république am bénn niveau. Je dis République en bien niveau, président, ministre en bien niveau. Bon, mais chef d'entreprise, bon, il faut avoir un chef d'entreprise. Après ministre, il connaît que comme ce niveau, devenant connaît que comme ce gardeur. L'union est bon, il sait de le, bon, il peut y mettre un nouveau garde de son boss. Lolo voilà fait. Quand mangle les centres de grand bah bah. Au niveau de la région, on va faire une petite pause avec le club de Negabas qui va venir pour nous expliquer un peu son single et après par la suite, on va parler aussi d'un problème qui est très important, c'est le problème PHP. Navire. Risque bo muñu ci japp fi sayer sek na fi jaar timit ci kanam pour wax ci walu pêche bi donc vous savez la deuxième partie qui sera avec moi bientôt wa may donc gërem tout rek ñi may sétane gërem leen yeen tamit parce que plateau guen ma may tamit amna importance bo xamné ni tay daana koy sétane dafa melni dama tok yow di wax ak yow ma ngi ñaan yalla tamit les autres acteurs yi nga xamné ñi ngi nek ci développement bayyi tok di casse bi bayyi ku bëgg ñëw tok télévision bi ñëw wax ak sénégalais yi kenn la ku bëgg na ñëw tok man j'ouvre le fi dimbal le pour la République, Donc c'est très important. On va faire une petite pause pour libérer notre premier invité, Serigne Boup de CCBM qui était venu nous rendre visite aujourd'hui. La régie, la pause. Merci. Ces airs par son cahier m'a permis le retour vers mon pays natal.
J'ai fait la correspondance entre le Wolof et les Médounetières. Je ne serai pas donc paumé devant la pyramide de Djéser, ni sur les hiéroglyphes inscrits sur le baobab du désert. Je suis science, je suis culture, je suis spiritualité. Enfant d'une île qui s'abreuve à la source de l'humanité. Grand architecte de la Renaissance noire à l'unanimité. Nous sommes l'Afrique de demain, celle où personne n'aura faim. Celle où les hommes ou les femmes s'habilleront en boubou et en bazin. Celle où les chimistes se battront comme l'armée de Péanzin. Une Afrique sans maladie qui refuse d'importer des vaccins. Je veux une Afrique qui forme ses avocats et de ses propres médecins. Une Afrique sans épidémie, debout et maître de son destin. Une Afrique plus riche qui devance les États européens. Je rêve d'une Afrique forte qui fabrique ses propres armes. Je veux une Afrique qui se bat sans éprouver d'état d'armes. Je suis le script noir qui vient vous livrer ses versets. J'ai trempé ma plume dans un encrier tenu secret. Voici un poème sous silence scellé. Celui avec lequel je vous ai semé. C'est avec ces mêmes vers salés que j'ai sorti mon CD. Je suis Sundiata, je suis Sankara et je vaux 1000 caras. Ces paroles ne sont... Très bien. Alors, petit intermède musical avec qui? Un rappeur qui vit en France, il s'appelle Negamas. Mais d'abord, la question... Moi, j'ai eu des problèmes ce matin. Hein, pour écrire Negamas, ça veut dire quoi? Niga, N-E-E-G-A. Ouais, mais ça veut dire quoi? Niga, ça veut dire l'être humain. Déjà, le mec commençait par nu, tout le peuple sénégalais, parce que... Les mains, ils ont été nus ou quoi. Donc, Niga, en fait, bon rôle, de faut duquer ces civilisations anciennes d'Éthiopie, de Nubie, de l'Égypte. Donc négritude, bon niveau et comment dirais-je, ceux qui ont fondé les grands vestiges de l'Éthiopie, des Soudan, ils s'appelaient les Négrissous, les rois d'Éthiopie, Akimelon. Oui, okay. Mais quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, comme ils voyaient qu'il y avait des noms qui commençaient par N, Nubie, Negrita, Negissou, Negashi. Oui. Non, donc ils ont dit nègre. Nègre, que ce terme est péjoratif. Même l'Indien le transformé d'œuf qu'au nègre. Donc le village qui a été formé par le premier roi d'Éthiopie, le Negissou, s'appelle le Negash. Motamobine N-E-E-G-A. S-H-B. Le mot d'œuf Negash. En fait, le mot originel du nègre à sa source en Afrique et qui veut dire un homme, un être doué d'une conscience historique. Ça, c'est philosophique. Hein. Non, c'est philosophique. Vous êtes parti aller très loin là. Oui. Pour un peu faire de la philosophie. Pourquoi vous avez choisi ça comme thème? Par rapport à quoi? Par rapport à aucun. Pourquoi non? Pourquoi vous avez choisi de s'appeler Négal? Le nom d'artiste, quoi. Oui, mais parce qu'à un moment donné, tu sais que nous, on nous a toujours insultés. On a eu plus de 500 ans d'esclavage, colonisation, néocolonisation. On nous appelle les nègres, on nous ramène les bamboulas, on nous ramène les... On nous appelle plusieurs qualificatifs. Donc, à un moment donné, il y a plusieurs mots. Il y a ramené Afrique le Duguay, qui ont été transformés par... comme qui ont été falsifiés. Donc, maintenant, en fait, je me suis dit, comme notre civilisation ancienne qui a perduré 12 000 ans est l'une des plus grandes civilisations, les plus brillantes, qui ont influencé le monde entier. Et donc par rapport à ça, nous, le sens de nègre qu'on a, c'est celui qui veut donner de la dignité au peuple africain. Donc l'homme, moi, c'est ma mission, en fait, Team Music B, dans la lignée, en fait, des travaux de Charanta. Alors, vous avez, dans la lignée de Charanta, très bien. C'est pourquoi, alors, je comprends l'histoire de votre clip qui rend hommage au Pharaon. Au Pharaon, à l'Égypte, aux civilisations, à Akimelono. Égypte, voilà. Donc, ça, c'est le dernier clip que tu viens de sortir. Ça, c'est le dernier clip. Mais c'est votre premier album ou bien En fait, non. J'ai fait deux albums. Deux albums, oui. Après, Be My Single B, qui annonce le prochain album que je vais sortir. Mais vous avez choisi de vivre en France. Moi, je travaille pour les nôtres, même si je suis là-bas, je travaille pour l'Afrique. Ok, mais et même je suis tout le temps ici à Dakar. Je suis tout le temps ici. Ici, d'accord. Tout le temps ici. Ok, alors, qu'est-ce que tu as prévu pour le prochain? Il s'apprête à rentrer chez lui. Vous avez prévu quelque chose? Moi, j'habite ici. Mais c'est parce qu'il y a des concerts qui m'attendent là-bas, c'est pour ça. Ok, très bien. Parle-moi, c'est ce que je voulais savoir, donc. Vas-y, quels sont les concerts qui t'attendent là? Non, moi, en fait, le 19, là, j'organise... Parce que maintenant, je monte mes propres spectacles en France, tu vois. Donc, demain, j'ai organisé un concert à Paris, le 19, Bidino. Ok. Bon, je ne vais pas donner la date parce que ça va faire pub. Non, pas de problème. Je paye. Tu payes? Ok, donc je joue au Gambetta Club le dimanche, les douanes, dimanche 19 janvier à partir de 21h. 21h. Gambetta
à Club Métro Gambetta. Tu as prévu quelque chose ici au Sénégal? J'ai déjà fait le concert, j'étais invité, tu ne veux pas venir. Non, je ne pouvais pas venir, c'était le mercredi dernier. Mais dans le futur, vous avez prévu quelque chose quand même? J'étais au Just For You le mercredi dernier, mais je ne pouvais pas venir. J'ai prévu de collaborer avec des gens. Je pense que comme vous défendre les valeurs africaines, je pense que ce serait bien des fois d'avoir un pied ici au Sénégal pour que nous puissions ragner ce ligue. Parce que le ligue est Et faire aussi du duo, du bœuf. Si, amena quelques-uns. Tu l'as déjà fait? Avec qui? En fait, c'est pas des gens qui sont encore connus parce que moi je sais, je fais les choses par rapport aux gens que je ressens. Feeling, quoi. Tu fais que du rap ou bien tu chantes? Non, moi slam, les gens l'appellent slam, tu vois, après il y a aussi terme bobo. Rap, reggae, un peu mélangé. Mais moi en fait, je dis que l'imédefini, c'est ce qu'on appelle la musique griotique des temps anciens. Mm-hmm. Parce que l'Empire du Mali, il faut le musique, c'est-à-dire l'art de la transmission de la parole par la voix orale, faut le transmission. Connaissance commencée. À un moment donné, quand l'esclavage a commencé à perdurer, faut le, comment dire, une grosse partie de l'industrie musicale est partie et qui a fondé New Way, blues, jazz, soul, reggae, R&B, lep, bossy rap. Donc à partir de là, au début, rap, boumi commence. Old fashioned, Non, pas old fashioned. Moi, je connais, j'adore. Old fashioned, old fashioned. Hein? D'accord, ok. Comme le, mais j'adore le blues, moi. Mais ce que je voulais savoir, c'est par exemple, demain, cette vidéo, bien cette année, il y a une affaire au pharaon, il dit pas voir qui esclavage. Est-ce que c'est, tu penses pas, bon, pour moi, des fois il faut pas, comme mes titres là, j'aime pas des Louguinao. D'accord. Par exemple, moi, je me demande Goré à Clégui, ça fait pas 2 ans. La texte m'attend que Goré, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est parce que si on fait des mes titres, je C'est vrai. Par exemple, je me positive pour les jeunes à venir, qui sont positifs. Mais pour des fois, je me taxi aussi, je me positive pour les jeunes. Une question intéressante, très pertinente. Beaucoup de choses sont au travail. C'est-à-dire que le processus est là. Il y a des choses pour l'Afrique, le Sénégal. Comment on va essayer de trouver tous les moyens nécessaires pour que nous puissions évoqué, c'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai fait une projection antérieure, c'est-à-dire que notre histoire, nous, en Afrique, on ne l'a pas encore écrite. On n'a pas encore notre histoire parce que nous, on hérite beaucoup plus jusqu'à présent. Des choses se passent ici au Mali, c'est une télévision française qui nous les donne. Il y a un problème. C'est-à-dire que nous aussi, il faut que nous... C'est un problème. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il faut que les Africains aussi puissent se battre pour ça, pour consommer peut-être leur propre information. France 24 te donnera des informations suivant le sillage et la volonté du peuple français. C'est ça. Donc, il faut orienter réflexion. Et puis, deuxièmement, c'est permettre aux gens qui ne connaissent pas leur histoire, à travers ces images-là, de pouvoir... La connaissance de notre histoire permet la connaissance de soi, et la connaissance de soi nous aide à s'affirmer. C'est-à-dire que tant que nous avons une affirmation de soi, et c'est l'affirmation de soi qui te permet d'être quelqu'un qui a de la valeur ajoutée, qui n'est non pas un consommateur, mais plutôt un producteur. Très bien. Ça, c'est très bien dit. Alors, votre dernier mot? Bon, Magui, il est remercié. Remercier Abby pour l'invitation. C'est toujours... C'est gratuit. On a fait notre devoir. Hein. Oui, mais le temps a été serré. Donc, le temps a été serré, c'est vrai. C'est juste, on aurait c'est vraiment... Parce qu'on a eu beaucoup d'actualités, on aurait dû laisser rester encore beaucoup plus longtemps. Mais il y a aussi l'actualité brûlante, comme je le disais au début. On a vécu une semaine difficile avec l'histoire du navire russe qui est venu piller nos ressources halieutiques. Il faut qu'on en parle. C'est vrai. Pour voir que Poutine, il y a eu tard au folet Didier, mon menace, du Dial. Mais ça aussi, ça fait partie des problèmes. Du Dial, c'est-à-dire que
on a toujours ces rapports de dominant à dominé. Voilà, c'est ça. Ça pose problème. Il faut qu'on parle. Alors que CERSEC va venir nous en parler. Votre dernier mot. Et puis je salue tout le monde et puis je remercie tout le groupe de la DESEST. Mm-hmm. Et puis certainement, je serai peut-être dimanche aux Pyramides. Au Pyramide dimanche. Aussi ce soir. Pour faire un dernier spectacle pour dire au revoir au peuple sénégalais et dire que je serai encore là très très bientôt pour d'autres projets qui vont aspirer à l'éveil des consciences. Alors ça là, tu es contente, mais non, c'est réglé. Hein. Plus de téléphone s'il vous plaît, d'accord.